Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Palmi Sak Ma Pou La Kay. Jeudi, en fait hier, qui était le 27 juillet, et bien hier mercredi, grande surprise, on dit après presque, puisque un an, Schumer, ensemble avec Joe Manchin, ainsi que la Maison Blanche, yo mette yo d'accord, ça t'avait dit qui ça, démocratie finalement pral voter une loi à travers budget de réconciliation, une loi qui gagne éléments ça yo la donne et li gen yon deal sous énergie l'en a dit énergie nous parler de investissement dans énergie renouvelable qui c'est machine et courant machine électrique que nous on grand pile compagnie commence à lancer bon énergie renouvelable d'une manière générale et projet de loi ça tout pour tacler ça n'ta les coûts dépenses moun fait au niveau de la santé notamment. Yo te di que Obamacare là c'est pas grand rien qui fait dans mois que t'a vinn là particulièrement mois de novembre là il t'a monté 17 hôtels bill ça tout li checker des dossiers qui gen rapport avec climate change qui c'est une gros priorité pour démocratio notamment progressivio et qui était et républicain pas jamais d'accord avec lui et bien ça passé là bien tout depuis un an bataille là fait finalement et démocratio arrivé mettre tête tête ensemble, lundi démocratie arrive mettre tête ensemble. On nous dit que Joe Manchin finalement ba connait si c'est on pense que grand bagarre qui traverse Joe Manchin. Ou non parti politique fait presque un an tout ba négocier ou jeter tout bagarre et nous te connait ces derniers en fait, nous te apprendre que tu gagne pile négociation que tu as pas fait et soudainement encore Joe Manchin tu à l'école, il te dit que il parle en bagarre comme ça encore. Et bien ça passe là. Et à la grande surprise, parce que personne ne peut attendre ça. Monsieur fait un reverse. Très tellement, moi, je pensais que reverse ça. Monsieur rendu compte, nous en 2022, pour aller à l'élection, ou non parti, ou c'est unique blocage. Parti n'a pas qu'à réaliser rien de concret. Et bien finalement, eh bien, démocratie, pour aller gagner un bagage pour proposer et mon calvote, vous dit, mais ça nous fait dans 2022, mais projet de loi que nous accomplis. Mais faut me dire que tout de suite nouvelle ça a tombé. Républicain yo mauvais coucon. Les petits mauvais coucon non. C'est pas petit mauvais non. Tout réagit oui parce que pour un pile républicain et Joe Manchin c'était mon impiècio pour bloquer tout projet des démocrates et c'est vrai jusqu'à preuve du contraire tout gros projet démocrate Joe Manchin bloqué et dernier quoi là ces derniers mois là côté Joe Manchin ou deuxième fois encore t'es fait back. Mais à la grande surprise, Joe Manchin il fait un vol de face. Eh bien, républicain yo furieux. Je me dis yo mauvais, yo mauvais. Et parce que ça va passer là. Et démocrate yo, en fait, yo pral à travers budget de réconciliation, yo pral voter. C'est ça que pral fait là. Démocrate yo pour compte yo. Et qui pral justement et voter projet de loi ça. Nous pas connaître sur le fait que Joe Manchin tout il saute prendre le coronavirus même sur projet de santé il pas de fin d'accord. Et donc monsieur font analyse tout. OK? Et monsieur font analyse et lit d'accord avec collègue démocrate au forme d'un pile démocrate et content et on dit que et yo tenan vraiment en désespoir. Donc bay sa yo rele infrastructure edition act qui pourrait permettre yo yon nan bagay fòt souliye pou pral permettre yo et collecter plus taxes tout sou riche yo n'a rappelé sou Donald Trump côté que il était presque éliminé taxes son moun k'ap fè des milliards de dollars. Eh bien Joe Manchin avec démocrate yo yo pral restaurer en fait yo pral restaurer taxe agenté donc ça va permettre que moun ki millionnaire yo paye plus by plus participation yo nan économie an jan sa ta supposé fait. Et maintenant et Jean Dola et en pile républicain et dit que ba ça pral casser pays an net vous comprenez yo dit ba ça pral laguer pays an nan de l'eau. OK et donc c'est dans sens ça et en pile républicain réagit et faut nous dire que
Joan Chin dit à quoi ça va permettre que augmenter sa nouvelle l'indépendance de l'énergie de la société américaine qui joue un jeudi à dépendre en plus de la Chine, libéral combat tout crise climatique côté que va réduire pollution carbonique là par 40% jusqu'à 2030. House Speaker Nancy Pelosi justement content pour apprendre de nouvelles ça. Manchin qui demande tout collègue lui pour ta mettre de côté et s'endarrer et vent de discorde de partisans pour ta voter législation ça dans intérêt et nation. Et donc c'est dans ce sens ça que yo te parlé et donc yo pensé que désormais la famille américaine justement et pensé que et yo pral dans situation qui beaucoup plus facile et Biden dit il t'a souhaité que yo voter à cause ça le plus rapide avant recess pour moi août par contre il y a bien temps faire non mes amis nous gantons en 27 juillet à peine si était combien là et creton 2 semaines comme ça. Donc, il a souhaité que vous ayez voté avant les vacances qui pourraient prendre pour moi au-delà pour Biden signer et bien rapide. Donc, on nous dit que effectivement, pour une première fois, eh bien, et on dit pour l'année 2000, en fait, de 2021 à 2022, presque pas de café, hein, eh bien, il pral gagner un deal entre les démocrates et nous penser que yo capable dit et yo capable présenter le vous dit mais ça fait et ça vous comprendre la cause ça deal ça c'est des milliards de dollars yo pral investi et sous indépendance énergie au niveau climatique et donc grand investissement énorme et à long terme qui pral fait dans quatre projet ça pour nous de comprendre et projet de loi ça en bon chiffre yo. Et chiffre ça a pral gagner affaire de 313 milliards de dollars sous revenu sous 10 années parce que yo pral augmenter ça nous les corporate minimum tax de 15%. Donc gros organisation yo pral payer plus et li pral gagner 124 milliards de dollars parce que yo en fait ça son bon travail yo pral justement et forme de bien républicain pas d'accord comme ça. Internal Revenue System IRS charge avec problème. Yo pral investir 124 milliards de dollars dans IRS. Alors là, faut nous oublier le travail ça fait tout ou même tout capitaine de. Bon bon magou pas pas facile pour nous, ARS pas gagne plus moyen. Un bagage que républicain pas jamais d'accord puisque l'ARS pas gagne moyen comme ça, pouvoir de contrôle lui diminuer, pas oublier monde qui paye plus fort taxe, c'est grand nègre donc il gagne plus moyen pour faire magou. Donc voilà pourquoi institution ça toujours pauvre. Donc on va gagner pour une première fois ARS avec 124 milliards de dollars en main, plus moyen de contrôle, veut dire nous même faut ça nous connaît nous qu'on a prend chance nous on bon bagaille il a privé sous nous yo parler tout et ça n'a les privé industriaux yo parler de 14 milliards de dollars sous ça n'est les intérêts que y a fait pour taxer au plus sur ensemble d'intérêts et ça n'est les industries ça va fait au niveau de climat yo proposé 369 milliards de dollars et justement pour bien améliorer et ça n'a les menaces climatiques là et yo pral gagner au final 300 milliards de dollars pour ça nous les deficit reductions puisque Manchin attaché un point important avec ça donc comme ça yo pral justement permettre que yo réduit déficit que pays a fait. OK, faut dire que et à quoi ça a venu tout de suite après que Sénat la ça m'a réfléchi. Après que le Sénat, il y a une nouvelle a fait voter un paquet de 280 millions qui a un rapport avec Sandaré, les manufactures semi-conducteurs, qui s'allient, c'est que et les États-Unis ont fait face avec un déficit de semi-conducteurs. Donc, gros entreprise, tout dit, après la moue, il faut qu'ils investissent dans ce sens ça pour permettre que toute qualité de compagnie arrive et survive. Son projet de loi qui n'a intérêt de la population américaine n'est pas un démocrate et républicain dans cause de ça. Bien que il m'a connaît menacé pour ne pas voter à cause ça ou avec ce que nous avons dit là. À cause que Manchin était sous route, je viens à cause ça. Maintenant, ça semble, ça semble ça, tu as oublié que Manchin te dit, il retire l'école dans cause et accord avec démocrate.
Et c'est tout de suite après ça, elle retourne vite d'accord. Gen des républicains qui a dit est-ce que c'est pas non piège man chin te prend yo pour le faire au fin voter. Après ça, il retourne en tanni avec démocrate yo. C'est des hypothèses yo accusé et en Chine de ce qu'elle sous bluff et que il pas de vraie intention là à travers de réconciliation hein. Il tanni au fin voter projet de loi sur et semi-conducteur là et c'est après ça elle déclaré que il joint entente avec et collègues et collègues liés qui sont démocrates là bon donc voilà guys et nous bon idée et qui Jean et causé aillé et yo a venir avec d'autres détails et c'est vrai que démocrates ont pas venu à 100% tout ça ont cherché grand bonne bagaille que vous dit va tout continuer bataille parce que il y a une bagaille que vous même captain de blanc que captain qui concerne c'est tout comme pas moi pour timon yo. Oui, mais Joe Manchin dit, bon, j'en paye à là, il y a inflation, et il n'y a pas de bail, ok? Il bon, y a une négociation à faire, mais entre temps, c'est bagaille ça qui va le sortir, donc n'a pas gagné pour nous porter des updates sur vous. C'était un grand plaisir, pas oublier, toujours été connecté avec nous, Zaydi. Bye bye tout le monde!